Danse avec les stars 2019, en pleurs, Fauve Auto remercie Samy El Guedari. Samy El Guedari et Fauve Auto remportent Danse avec les stars saison 10. Danseuse emblématique de l'émission. L'acolyte du sportif lui adresse un hommage émouvant, sincère et poignant. Grande gagnante de Danse avec les stars saison 10, Fauve Auto a créé un lien très fort avec son partenaire Samy El Guedari. Pendant le prime du 23 novembre 2019, on a vu la danseuse de 33 ans faire une véritable déclaration au nageur français avec lequel elle a décroché une nouvelle fois le trophée du concours de danse. Très émue, elle lui déclare « Merci de m'avoir fait passer une si belle saison. » Point. Après 10 ans comme danseuse et juge, tu es arrivé au bon moment dans ma vie. C'est rare de rencontrer des gens comme toi, Samy. Si gentil, aussi bienveillant et positif, jamais une critique. Cela fait du bien. Voilà, c'est fini. Admiratif de la force mentale et physique du sportif, elle lui confie qu'il lui a appris beaucoup de choses tout au long des répétitions. Ce que je retiens de toi, c'est que tout est possible et le positivisme de tous les instants. Après avoir dansé un kickstep sur le tube des Black Eyed Mama, le couple a fait une chorégraphie très style sur le titre Voilà c'est fini de Jean-Louis Aubert. En larmes pendant le show, Fauve a vécu une magnifique aventure aux côtés de Samy El Guedari. C'est la seconde fois que Fauve Auto remporte Danse avec les stars. Il remporte la compétition avec 62% des voix. Sa première victoire avait été pendant la troisième saison alors qu'elle avait pour partenaire Emmanuel Moir. Elle a également été membre du jury des saisons 6 à 8. Bientôt la fin de Dalle pour Fauve. En novembre 2019, la jolie danseuse a confié au magazine TV Grande Chaîne qu'elle pourrait bientôt arrêter l'émission de TF1. Son nouveau rêve, commencer une nouvelle aventure en tant que comédienne. J'ai toujours interprété avec mon corps, là j'avais envie de m'exprimer autrement. La comédie, c'est l'une de mes priorités maintenant. La magie du fameux action, c'est incroyable comme truc. Bientôt à l'affiche de la série H24 sur TF1, elle jouera aux côtés d'Anne Parillo, Frédéric Bell, Barbara Cabrita et Florence Coste dans cette adaptation de la série finlandaise Nørre 7.